M6 propose un nouveau numéro de son magazine Arnaque ce vendredi 3 mars. Julien Courbet et ses équipes vont notamment revenir sur l'histoire de cette famille contrainte de vivre assise dans un minuscule mobile home à cause d'une arnaque. Julien Courbet et ses équipes reprennent du service. Ce vendredi 3 mars, M6 diffuse un numéro inédit d'Arnaque. Dès 21h10. Dans ce prime, une histoire particulièrement touchante va être développée, une famille composée de 4 enfants est contrainte de vivre dans un mobile home de 20 mètres carrés à la suite d'une arnaque. Au bout du rouleau, les enfants craquent. Je n'ose même pas dire à mes copains que je vis dans un mobile home, témoigne Loïs, l'aîné de la famille, âgé de 14 ans. Découvrez l'extrait exclusif que vous propose Télé Loisirs. Arnaque, l'artisan est parti sans faire les travaux. Mais avec l'argent. Loïc et Héloïse, les parents de la famille sont désabusés. Dans l'extrait à découvrir en avant-première en haut d'article, Loïc se montre même révolté en montrant le manque de qualité de la conception de leur maison. Et le constat est sans appel, humidité, colonnes et infrastructures mal agencées. Par exemple, la salle d'eau a été si mal pensée que prendre une douche debout ou utiliser les toilettes est impossible. Ce n'est pas du tout la maison dont on rêvait et ce qu'on nous avait vendu, regrette amèrement Héloïse. Confrontée à un quotidien devenu impossible, la famille n'a pas d'autre choix que de se délocaliser dans un mobile home situé à quelques pas de leur maison. Une situation très difficile à vivre pour cette famille avec 4 enfants dans ce mobile home de 20 mètres carrés, les 4 enfants âgés de 13 mois à 14 ans doivent cohabiter avec les parents. Autant dire que pour eux, la notion d'intimité n'existe plus du tout. Dans la pièce à vivre, qui sert de salon, de cuisine et de salle de jeu, se mélange à faire et les enfants qui tentent de se divertir comme ils peuvent. Ce qui est fou, si Estiquon a 132 mètres carrés d'habitation juste à 15 mètres, peste Loïc. Remonté, le père de famille a du mal à contenir son émotion face à la détresse de ses enfants. Quand j'entends mon fils dire qu'il est triste, ça nous fout les larmes aux yeux. Ça nous met une colère et une tristesse à la fois. Et l'arrivée de l'expert en bâtiment, envoyé par Julien Courbet, ne risque pas d'apporter de bonnes nouvelles à la famille. À lire aussi il nous a reçus avec un fusil, Julien Courbet raconte son énorme frayeur sur le tournage d'Arnaque, diffusé ce samedi sur M6.